invité à continuer, M. Alain Rich, s'il vous plaît. J'étais en train de faire une sieste, puis j'ai entendu mon nom. Non, c'est vrai que ce que le frère a dit là, parce que des fois, moi, je me rends pas compte, je raconte mon témoignage, puis des fois, je dis des choses, ça peut peut-être choquer. Pourtant, je me contrôle, parce qu'avant, je donnais plus de détails, même trop de détails. Donc, j'essaye un peu de m'améliorer. En fait, vous savez, avant, j'étais maudit. Donc, je maudissais. Maintenant, je suis béni. Donc, je bénis. Amen. Juste quand même pour répondre à la question que tu m'as demandé, parce que je ne vais pas être la seule, mais je devrais quand même la répondre la semaine prochaine. Parce qu'on me demande souvent, oui, mais qu'est-ce que quelqu'un peut me jeter un sort ou tout ça. La parole de Dieu, la Bible, dit « Personne ne peut maudire celui qui est béni de Dieu. » Et quand ces personnes qui parlent des choses terrestres, ils parlent des choses célestes. Donc j'expliquerai. Il y a une chose, parce qu'il y a des gens, même il y a un chrétien, il m'a écrit sur internet, puis il m'a dit, oui mais donc, tu crois vraiment qu'après tout ce que tu as fait, tu vas aller au paradis? Tu penses vraiment que c'est si facile? Donc, alors tu fais ce que, voilà, tu vas tuer des gens, tu fais tout ça. Puis après, tu fais, oups. Puis tu dis, pardon Jésus, puis tu vois paradis, il me dit, c'est quand même un peu facile. Mais en fait, ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris la grâce de Dieu. Vous comprenez? Puis, il ne faut pas oublier que si c'est gratuit pour moi et pour nous, ça ne l'a pas été pour Jésus-Christ. Parce que moi, les conséquences que j'aurais dû payer sur cette terre, qu'aurait été, de toute façon, je serais pas ici, j'aurais été une poignée de sable. Hein. Donc de mourir physiquement et d'être dans les tourments éternels, la malédiction, la colère de Dieu a été mise sur Jésus-Christ. Et il a souffert à cause de moi. Donc c'est pas un salut gratuit. C'est un salut gratuit pour moi. Mais Jésus, il a payé. Vous comprenez? Et il a payé beaucoup plus qu'on imagine. Bon, mais je m'écarte. Juste une chose dans 1 Timothée 1,12, Paul, c'est un apôtre, c'est comme un pasteur. Il dit, je remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a permis de me mettre dans le ministère, quoique avant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme insolent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que je le faisais de manière ignorante et par manque de connaissances. Et la grâce de notre Seigneur a été grandement abondante avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Et c'est une chose certaine de savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il ne faut pas oublier que Jésus, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu chercher les justes. Hein? Une personne bien importante n'a pas besoin de médecin. L'Esprit m'a possédé et il avait le droit sur ma vie. Et il allait me faire mourir ce jour-là. Et c'est là, donc, trop tard que j'ai compris les règles du jeu, si j'ose dire. Peut-être que s'il m'aurait dit, dis donc, tu as le droit de tuer des gens à distance, mais bon, juste pour que tu saches, je vais te tuer après. Quoi. Et puis tu vas passer ton éternité en enfer. Bon, peut-être que j'aurais réfléchi. Donc, évidemment, qui ne va pas me dire ça, il va cacher. Hein. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut faire du mal. S'il veut vous faire du mal, il ne va pas forcément venir avec son vrai visage
donner votre vrai, son vrai intention, puis vous dire, toi, je vais te voler 100 000 $. Hein? Il va venir tout gentil, il va discuter avec toi, il va même d'abord te prêter 1 000 $. Hein? Puis une fois que tu as confiance, eh ben, il va acheter de la confiance, et puis jusqu'au moment où il va te voler tout ce que tu as. D'ailleurs, la Bible dit que le diable, il est venu pour nous voler, hein? Pour nous détruire et nous tuer. C'est son but. Et le but du diable et de ses acolytes, pas alcoolique, hein, acolytes, ils ne boivent pas. Enfin, ils prennent du plaisir dans les plaisirs que les hommes prennent. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Le but du diable, c'est de tout faire son possible pour que les hommes ne puissent pas s'approcher de Dieu. Parce qu'en fait, tous, autant qu'on est, on est nés loin de Dieu. Hein? Et son but, il ne veut surtout pas qu'on s'approche de la Bible. Il ne veut pas qu'on s'approche de chrétiens. Il ne veut pas qu'on s'approche du nom de Jésus-Christ. Parce que si on s'approche de ça, on risque de lui glisser des pattes. Et il va dépenser toute son énergie pour nous en éloigner, pour nous enfoncer, pour nous faire aller le plus loin possible. Et une fois, si pour lui, malheureusement, il a raté son coup et qu'une âme est sauvée, il va tout faire son possible, parce qu'il ne nous lâche pas forcément à ce moment-là, il va tout faire son possible pour qu'on ne rentre pas dans notre restauration, dans notre guérison, dans l'héritage et les bénédictions que Dieu nous a données. Vous comprenez? Donc là, j'étais possédé et je savais que le diable voulait que je meure et j'avais peur que soit il me jette sous un camion ou bien qu'il me fasse jeter en bas d'un pont. Puis j'avais peur de souffrir. Je me suis dit, vaut mieux prendre soin de soi-même. Donc je lui ai dit, j'ai tenté ma chance. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, sois sympa avec moi. Si je m'occupe de moi-même, laisse-moi tranquille, je te promets que si tu me laisses tranquille, je m'occupe de moi-même et ce soir à minuit, je suis mort. Il m'a dit, ok. J'étais tourmenté. Parce qu'on est possédé, on est tourmenté. Et j'étais tellement tourmenté que je ne supportais pas, même s'il ne m'aurait pas poussé au suicide, je me serais suicidé moi-même, tellement il y avait des tourments. Et je m'étais dit, finalement, la mort, c'est une libération. Hein? Si j'avais des problèmes ici, bon, j'avais une vie ratée, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, j'avais pas de passé, j'avais pas de présent, j'avais pas de futur. Je me dis, bon, bah, ça sert à rien de finir, d'être là, de souffrir, de tourmenter. Autant arrêter tout ça, parce que je pensais que la mort, quand on l'arrêtait, c'était en fait la fin de la vie, la mort. Donc, c'est une assez bonne définition. Je me suis dit, comme la nuit, bon, je m'endors, je perds conscience, jusqu'au moment où éventuellement je rêve. Mais il y a un moment donné, j'ouvre les yeux, puis tiens, je suis là, c'est le matin. Mais je me suis dit, la mort, je perds conscience, je ferme les yeux, puis je ne me réveille jamais. C'est ça le concept que j'avais. Bien peut-être, j'aurais pensé que j'aurais été une conscience infime dans l'univers, mais en tout cas c'était pour moi la sortie de secours et la solution à tous mes problèmes. Toutes les conséquences des choses que j'avais faites allaient s'arrêter, donc finalement c'était pas une mauvaise chose. Pourquoi rester là, souffrir, quand on peut arrêter sa souffrance? Alors, à minuit, j'ai pris 30 pilules pour dormir, et puis j'étais en paix, j'étais tranquille, j'ai dit enfin, bon voilà, tous mes problèmes sont finis, je suis content. Puis la chose suivante dont je me rappelle en fait, c'est tout d'un coup j'ai repris justement conscience. D'accord ? Mais là où j'étais étonné, c'est que j'ai pas repris conscience dans mon corps, j'ai repris conscience hors de mon corps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Une NI ou NDE, qui n'a jamais entendu parler de ça ? Bon, il y en a deux ou trois, quatre. Parce qu'à l'époque, c'était en 75-76,
personne n'en avait parlé. Le premier livre qu'on a parlé, c'était Dr. Moody. Je crois en anglais, il a été traduit en 76 et en français en 77. Comme je l'ai dit, l'Internet n'existait pas, je ne savais pas que ces choses existaient. Vous savez, des fois, j'ai pas le temps d'expliquer. Et donc, j'étais tel que je suis maintenant. Bon, maintenant, j'ai une perception, j'ai des émotions, j'ai des pensées, j'ai la mémoire, je peux réfléchir, je peux utiliser, j'ai une conscience, d'accord. J'étais entier, mais à part le fait que j'étais en dehors de mon corps, flottant à quelques mètres. Parce qu'en fait, 17 heures plus tard, donc à 5 heures du soir le lendemain, quand j'étais dans ce foyer, les éducateurs, ils m'ont trouvé inanimé, ils ont compris ce qui s'était passé, et ils m'ont jeté dans une voiture pour aller à l'hôpital. Et chemin faisant dans la voiture à l'hôpital, j'ai fait cette expérience et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis mort. Je devrais être mort. Puis en plus, mais non seulement je ne suis pas mort, mais je suis entier. Toutes les conséquences de ce que j'ai fait dans ma vie sont encore là. Et puis en plus, je suis en dehors, dans une nouvelle dimension, dans ce que je pensais être un nouveau corps, mais ce n'est pas un nouveau corps, c'est mon être intérieur. J'étais assez troublé. J'ai regardé en arrière, j'ai vu mon corps là, qui était complètement comme ça. Il y avait une éducatrice qui le secouait comme ça. Moi, je me disais, il faut que je fasse attention, elle va le casser. J'étais relié par un cordon comme ombilical, vous savez, spirituel à mon corps. Et puis, j'étais curieux, je me suis retourné de nouveau pour regarder devant, parce qu'évidemment, étant donné qu'on est ici, ici-bas, je voyais le monde spirituel, mais également le monde terrestre, pas physique. Hein. Et au travers, je voyais le monde réel existant. Et puis là, j'ai vu un comité d'accueil spirituel des esprits mauvais qui m'attendaient. Vous voyez ? Alors là, avec effroi et presque trop tard, j'ai découvert en fait de tout les schémas que ces esprits avaient fait pour me rendre prisonnier, parce que eux, ils savaient qu'il y avait des conséquences éternelles dans des actions, dans des actes terrestres qui pouvaient paraître anodins ou sans conséquence. Et il y avait plusieurs, il y en avait pas mal qui étaient là. Et je sentais, c'est difficile à expliquer, mais je suis sûr que vous êtes déjà été dans un endroit où vous vous sentez mal à l'aise. Hein, vous multipliez ça par 100 milliards, et puis vous êtes dans cet endroit. C'est un endroit où vous vous dites, j'ai pas envie de passer une seconde. Mais comme je vous dis, dans le monde spirituel, la dimension spirituelle est éternelle. Ici, on est dans une dimension où on a l'habitude, on vit dans des cycles. Hein. Tout a un commencement, tout a une fin, comme Ecclésiastes, il y a un temps pour tout. Bon, on est, on grandit, on femme et on meurt. Hein, tout est une question de cycle. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de cycle. Ce qui est. C'est pour ça que Dieu a dit « Je suis celui qui suis », il ne peut pas dire « J'étais ou je serai ». Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Hein. L'éternité, c'est pour ça que c'est important qu'il faut comprendre que les décisions que l'on prend ici, alors que nous sommes dans notre corps, ont une incidence dans le domaine spirituel. Alors vous pouvez vous dire « Ah bon, tiens, j'apprends, c'est intéressant ». Bon, je verrai une fois que je serai là-haut, puis je vais prendre ma décision. Mais le problème, c'est que, une fois qu'on est en dehors, et donc je suis un témoin de ça, c'est trop tard. Vous voyez? Parce que c'est ici qu'il faut passer. C'est pour ça qu'il est dit, d'ailleurs, que dans la Bible, qu'on ne vit qu'une fois, et après quoi vient le jugement. Et moi, je me suis dit, là, moi, je pensais que la mort était une sortie de secours, une porte de sortie, j'ai réalisé que c'était une porte d'entrée. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais pas envie de mourir. Je voulais retourner dans mon corps pour me mettre en ordre. Et là, heureusement, que c'était une expérience de mort imminente, ça veut dire presque, hein. J'ai pu retourner dans mon corps, comme vous le voyez. Je suis pas un fantôme, hein. Vous voyez, il y a du bruit, hein. Par la grâce de Dieu, parce que dans la Bible, quelque part,
Ça, c'est sûr que c'est quelque part. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 6, « Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent se coupe. » Donc là, j'étais très étonné quand j'ai lu ce verset, parce que ça m'a fait rappeler, plusieurs années après, quand j'ai lu ça, ce cordon d'argent. Donc, évidemment, ça, c'est une expérience que j'ai jamais partagée à personne. Pendant 25 ans, je me suis dit, tout le monde va me prendre pour un fou. Et maintenant, quand tout le monde en parle, je me dis, il y a des autres personnes, bon, ben, je peux en parler. À l'époque, jamais j'aurais parlé de ça. Et verset 7, donc, « Souviens-toi de ton Créateur, avant que la poussière retourne à la terre telle qu'elle était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Vous voyez, nous avons deux dimensions. Nous ne sommes pas seulement un morceau de viande qui va finir en terre, mais nous avons un Esprit à l'intérieur de nous, éternel. Je croyais à la réincarnation. J'avais reçu la conviction, on pourra en parler la semaine prochaine, parce que ce sont des convictions qu'on reçoit, ce genre de choses. Ce n'est pas rationnel. Ce sont des convictions spirituelles. Et j'avais donc reçu cette conviction. Je croyais à la réincarnation, et là j'ai compris que la réincarnation, ça n'existait pas. Et la réincarnation, c'est quelque chose de très séducteur, qui nous permet de croire que, de toute façon, on aurait une chance. On aurait une deuxième, une troisième, même 1000 chances, même 10 000, même 100 000 chances. Donc si je ne fais pas tout juste dans cette vie, ben, je ferai mieux dans la suivante. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ben, aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Et donc, maintenant je pense à toutes les personnes qui ont été dans la même situation que moi, mais qui n'ont pas fait une expérience de mort imminente, mais qui ont fait une expérience de mort. Vous voyez ? Qui ont la même réaction qu'ils ont eue. Parce qu'ici, on peut se dire, je veux étudier les choses de la mort, je veux comprendre, on peut étudier 10 000 ans, on ne comprend toujours rien. Tandis que là, dans le monde spirituel, en une seconde, tu as tout compris. Tu comprends, tu vois, parce que tu vois les choses. Et qu'ils sont là, et ils se disent, ah non, mais je savais, j'étais sur le point de prendre ma décision, ou ça fait 20 ans que je dis que je vais prendre la décision, mais en fait, là, c'est trop tard, ils vont passer leur éternité dans un lieu de tourment. Et donc, quand je suis retourné dans mon corps, évidemment, bah, j'ai reperdu conscience, parce que j'ai réintégré mon corps, et mes pensées, ben, ils devaient passer par le cerveau, qui était lui-même embrumé, qui était complètement inconscient. Donc la prochaine chose, je me suis réveillé, c'est comme si je voyais quelque chose de diffus, tout était blanc. Et c'était très éclairé, il y avait de la lumière partout. Et j'étais comme... j'étais bleu, je ne sais pas comment dire. J'étais flou dans mes pensées. Puis j'ai vu quelqu'un arriver en blanc comme ça, qui vient. Puis je me suis dit, mais c'est un ange. Et je me suis dit, bah, finalement, je suis arrivé au paradis quand même. Comment j'ai fait ça? Puis je lui dis, où c'est qu'on est? Il me dit, ah, vous êtes à l'hôpital psychiatrique. Alors ça, c'est un bon réveil. Hein. Parce qu'en fait, c'était en hiver, mais quelques jours après, quand je me suis réveillé, c'était un grand jour de soleil. Puis je voyais tout, il y avait des grandes baies vitrées, tout était de la lumière, et puis il y a cette infirmière qui est venue en blanc. Moi je croyais que ça y est, j'avais quand même réussi à passer entre les mailles, puis j'étais au paradis. Mais non, moi j'étais pas encore arrivé là. Mais je me suis dit, ben ouf, au moins, même si je suis au fond d'un trou dans un hôpital psychiatrique, c'est mieux que d'être mort. T'as raté les choses intéressantes. T'aurais dû le dire. Ah oui. Et donc... là, je me suis dit, bon, ben, c'est comme si on m'a donné une deuxième chance. C'est comme si je suis né de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'avais raté ma vie, j'avais fait mes expériences, j'avais tout raté, puis on me donnait une seconde chance. On me disait, repart à zéro. Je ne sentais plus de pression de ce démon. Je me suis dit, bon, ben, sûrement que moi, j'ai respecté ma part de marché. Lui, il a respecté la sienne, il me laisse tranquille. C'est bon, c'est super.
Mais maintenant, il faut vraiment que je me prépare à mourir, quoi. Et je ne peux pas rester comme ça. Je me suis dit, je vais déjà arrêter de faire du mal, je vais arrêter de tuer des gens, parce que c'est pas bien, c'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour moi. Et je me suis dit, je vais également commencer à faire du bien pour un peu rééquilibrer le bien et le mal que j'ai fait. Et il faut que je me lave, il faut que je me purifie, il faut que je nettoie mon âme de tous ces péchés, de tout ce mal que j'ai fait. Et je me suis dit, bon ben, comment faire ça? J'ai réfléchi, la seule chose que je connaissais, c'était le yoga et la méditation. Parce que mon père faisait ça, et je me suis dit, c'est la seule chose que je connais. Alors je suis rentré dans le yoga, dans la méditation, dans le mysticisme oriental. J'ai eu une vision. Bon. Et puis j'ai arrêté de manger de la viande. C'est le contraire de Pierre, hein, qui a une vision de Dieu, que lui il a dit « mange de tout ». Ben là, le démon lui a dit « mange de rien ». Et donc je suis parti intensivement, je me suis dit « il faut que je lave mon esprit, mon âme et mon corps ». Et ça allait un peu mieux, mais j'avais quand même des manifestations démoniaques dans mon appartement, des esprits frappeurs. Je pense que vous connaissez, sinon vous me demandez la semaine prochaine. Mais j'étais moins pressé, je sentais un peu plus dans la lumière, je sentais des forces supérieures, un peu plus lumineuses. Mais il ne faut pas oublier que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas parce que c'est une lumière que ça vient de Dieu. Parce que quand on parle de ténèbres, il y a différentes intensités. Hein. Là, par exemple, on peut se dire, waouh, cette lumière, elle est forte. Ben, elle est forte jusqu'à qu'on en allume une plus grande. Et puis on la voit, on la voit même plus parce qu'elle absorbe l'intensité de la première. Et puis j'ai eu une sorte de révélation au bout de plusieurs mois, en pleine méditation, que je sois la pire des personnes dans le monde à faire la pire des choses, ou que je sois la personne la plus ascétique en essayant de faire le meilleur des choses, je ne m'approche pas de Dieu d'un millimètre. Et en moi je me suis dit, mais à quoi sert-il de faire des efforts? Si je fais du bien, ça ne sert à rien. Si je fais du mal, c'est pareil. Quel est le sens et comment sortir de là, comment me laver, je n'avais pas compris. Et vraiment, j'étais désemparé. C'est quelle heure? C'est bientôt l'heure, hein? Vous l'avez entendu? Ah, parce que si vous n'avez pas marre, je peux placer là une anecdote qui peut prendre 10 minutes. Mais si vous ne la voulez pas, vous êtes exigeant, hein, mon petit bonheur. Donc, je me promenais dans un bar, et puis il y avait un groupe de gospel. C'était en Europe, et c'était des Américains des États-Unis. Enfin, je ne sais pas, c'était les Canadiens. Hein. Je ne savais pas que le Canada existait à l'époque. Pour moi, l'Amérique, c'était les États-Unis. Hein. Non, je ne savais pas où était l'Ouest, où était l'Est. Bon, je connaissais ma gauche et la droite quand même, mais j'avais très peu d'éducation, donc je savais très peu de choses. Et donc, il y avait ces gospels. Il y avait tellement... Moi, j'étais assez loin. J'étais peut-être le double de cette salle, de eux. Mais il y avait une lumière et une présence, une onction qui était telle que ça me dégoûtait. Que j'avais envie de vomir, pourtant que j'étais très loin. Mais comme j'aime bien la musique, puis ils étaient bons, j'ai dit je veux quand même écouter. Mais je suis trop près d'eux, il faut que je m'éloigne de cette onction, il faut que je m'éloigne de cette lumière, j'ai pas envie de vomir. Donc je me suis dit je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que la musique était très forte. Après, alors, donc je marche. Puis là, il y a une fille, une jeune fille, une hippie, c'était hippie hein, à l'époque, les années 70. Et elle est là, elle était souriante, elle me regarde, il n'y a pas beaucoup de gens qui me souriaient. Si vous m'auriez vu avant, vous ne m'auriez pas souri. Vous auriez changé de trottoir. D'ailleurs, même après, quand je suis devenu chrétien, il a fallu quelques temps pour que les gens osent venir s'asseoir à côté de moi. Et donc, elle me sourit, elle me donne un papier, un petit truc comme ça. Je dis merci, quoi, il y a une fille qui me donne un truc. Bon, moi en général je lisais pas, j'avais pas de concentration, je lisais pas de livres, à part quand je devais faire vraiment d'efforts. J'avais à peu près la concentration pour lire
une phrase. Donc, j'aimais bien lire les dictionnaires, puis les médicaments, les posologies. Ça, c'était à peu près ma durée de concentration. Et puis, donc, évidemment, je n'allais pas lire, hein, mais il y avait un tout petit dessin comme une croix. Puis je me suis dit, alors j'étais vraiment énervé, j'ai compris qu'elle était avec ces gars-là. Et puis qu'elle avait été plus loin, et puis je me suis dit, ça y est, ces chrétiens, là, ils m'ont eu. J'étais vraiment fâché, je voulais... Alors je me suis retourné, j'ai pris le traité comme ça, je l'ai jeté en me disant, ça va la... Je veux l'énerver, quoi, je veux qu'elle soit déçue, quoi, qu'elle soit triste. Puis je me suis éloigné, je me suis dit, je suis content parce que j'ai dû la heurter. Mais en fait, en m'éloignant, j'ai senti qu'elle n'était pas au contraire heurtée, mais qu'il y avait plein d'amour en elle. Vous voyez ? J'ai senti son amour derrière moi, qu'elle n'avait rien contre moi. J'étais étonné. Et donc je me suis éloigné encore plus loin, j'étais dans un endroit sombre, sous un arbre, il n'y avait aucune lumière, je me suis dit, je suis tranquille. J'étais bien assez loin de ce groupe, j'entendais bien la musique. Puis alors que je regardais, j'écoutais, tout d'un coup il y a une lumière qui s'est allumée comme ça, depuis le ciel. C'était en pleine nuit. Hein. Tout d'un coup comme ça, une lumière qui m'a entouré comme ça, un diamètre à peu près grand comme ça. Puis au moment où cette lumière est arrivée, tous les sons se sont arrêtés. Parce qu'il y avait une grande route, et puis il y avait une grande route, donc il y avait des voitures qui allaient vite. Puis il y avait ce groupe. Donc d'abord, je me suis dit, il y a dû y avoir quelqu'un a coupé un câble électrique. Puis d'un coup, les feux rouges sont arrêtés, les voitures se sont arrêtées, puis la musique s'est arrêtée. Mais j'ai regardé la route, puis je voyais les voitures avancer. Puis je voyais les gars sur scène qui, quand même, ils bougeaient la bouche et tout. Et je ne comprenais pas. Je dis, comment ça se fait ce silence? Mais surtout, qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'était une lumière que je savais qu'elle n'était pas normale. Vous savez, si on voit une lumière, on sait si c'est une lumière d'une ampoule ou bien... Mais là, c'était une lumière... je savais que ce n'était pas une lumière humaine, quoi, terrestre, physique. Je me suis dit... J'avais peur. C'était en haut. Et puis, moi je pensais qu'en fait c'était des extraterrestres. C'était à l'époque où c'était la mode, beaucoup de gens disaient j'ai rencontré des extraterrestres, ils ont fait des livres. Moi je me suis dit ça y est, les extraterrestres, qui vont venir me chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, avant qu'ils m'embarquent et qu'ils me tuent, je vais quand même voir qui c'est. Et je dis, je prends le courage, j'étais trop curieux, moi, je me suis dit, je veux tourner, je veux regarder. Puis, je me suis tourné, bon, je pensais que j'allais être laserisé. Mais en fait, j'ai vu comme un être de lumière, comme un esprit en fait, comme un ange, ou comme l'image que vous avez dans la tête d'un être spirituel. Tout blanc, transparent, avec des cheveux, un nez, des yeux, une bouche, tout ça, des bras, tout, comme au milieu de nuages. Puis là, je voyais le ciel, je voyais bien, mais il était noir, puis il y avait des étoiles, vu que c'était la nuit. Et puis là, quand je l'ai vu, j'étais en paix. Hein? Déjà que c'était pas une soucoupe volante, ça m'a rassuré. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout d'un coup, alors il me parle, puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Et puis, il disparaît, la lumière disparaît, tous les bruits reviennent. Et puis là, je suis comme ça, je marche, je suis en paix quand même, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Alpha, je connaissais, c'est une marque de voiture italienne. Et puis, Oméga, c'est une marque de montre suisse. Je sais pas, un VRP intergalactique qui vient vendre. Enfin, je ne savais pas. J'ai pas compris. J'en ai parlé à personne. Mais je suis parti de là. Je me suis dit, c'est malsain quand même, cet endroit. Et puis là, je suis arrivé, que j'étais dans le foyer. Ils m'ont dit, bon, maintenant, t'as l'âge, il faut que tu sortes à la fin de la semaine. C'est fini les vacances.
Moi, je savais rien faire, je savais pas travailler. Ils m'ont payé une chambre, une petite chambre pendant un mois. Et puis là, l'hiver, elle est arrivée. Puis je me suis dit, bon, ben là, c'est la fin parce que je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas d'argent, à la fin du mois, c'est l'hiver, je ne veux pas dormir dehors dans la neige. Je devais manger les, vous savez, les petites pommes qu'ont de nos vaches, qui tombent des arbres, vous en avez ici. Elles sont trop acides. On ne veut pas les manger. Bon, mais quand vous avez que ça à manger, quoi, vous les mangez quand même. Mais c'est pas bon. Ou bien des choses, des noix pas mûres, que je devais manger comme ça. J'avais une chambre dans une maison avec. C'était un petit vieux qui louait, il m'a dit tu n'utilises que la chambre, tu n'as rien le droit d'utiliser. Mais moi j'avais trop faim, donc la journée, j'achetais un poireau. Puis la nuit, quand il dormait, ça allait, il était dur d'oreille. Donc j'allais dans sa cuisine, je prenais son eau, sa casserole, un peu de sel, puis je faisais bouillir l'eau. Puis ça me faisait un repas chaud pour la journée, quoi. Je pouvais manger un bouillon. J'avais une assiette et une fourchette. C'est très dur de manger un bouillon avec une fourchette. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Essayez. Si vous n'avez pas la patience, qui est une des particularités du fruit de l'esprit, mettez-vous à cet exercice, vous allez apprendre, ça prend un moment quand même. Et je me suis dit, bon, ben là, c'est... Je vois aucun sens de rester ici. J'étais dépité, je savais en plus, comme je vous ai dit, que je fasse du bien ou du mal, de toute façon, ça ne change rien. J'avais presque accepté ma destinée, quoi. Et là, à ce moment-là, un ami à moi, il me dit, il vient tout excité, il me dit, viens dans une réunion chrétienne. Il dit, ah, c'est super. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a de super chez les chrétiens, quoi? Moi, je disais pas chrétien, je disais crétin, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pris de la drogue ou qu'est-ce qu'ils t'ont fait prendre? C'est pas possible. Mais là, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment... Et moi, je refusais, évidemment, semaine après semaine. Il voulait dire, viens mercredi, c'est fantastique, il y a de la bonne musique. Je dis, non, mais jamais je mets les pieds dans une église. Il me dit, non, c'est pas une église. C'était comme une pièce comme ça, c'était pas un café-bar, c'était une pièce qu'ils avaient louée, il y avait pas de chaise, il y avait rien. Je dis non, mais toutes les semaines, il amenait un nouveau argument. Après, il dit, viens, il y a des filles là-dedans, il y a des filles chez les chrétiens. Je dis non, alors, après, il m'a dit, bon, j'ai repéré deux jolies filles, tu choisis celle que tu veux, puis je prends celle qui reste, tout ça. Alors, petit à petit, il a réussi à me convaincre. Alors, j'en avais tellement marre qu'il parle, je lui ai dit, écoute, on va faire un deal, je viens une fois dans ma vie, à ta réunion, et après, tu m'en parles plus jamais. Plus jamais je vais l'entendre, est-ce que tu es d'accord? Ok. Bon, alors je vais là-dedans, puis je vois une fille, elle est là, comme ça je ne sais pas dans quel état elle est. Parce qu'à l'époque, je sais, quand quelqu'un a pris de la drogue, je savais quelle drogue il avait pris. Je savais s'il était sous héroïne ou sous cocaïne, mais là je me suis dit, cette drogue-là, je ne la connais pas. Je lui parlais, elle me répondait, je ne sais pas quoi. Je me dis, elle est complètement pétée, elle est complètement ouestée. Parce que moi, je voulais lui dire qu'est-ce que c'est comme drogue. Est-ce que t'en as, puis combien c'en est? Moi, je vais t'en acheter, comme ça, je vais pouvoir la vendre, je vais me faire vraiment beaucoup d'argent. Parce que ça a l'air d'avoir beaucoup d'effets. Comme c'est nouveau sur la ville, je vais être le premier à la voir. Mais là, elle était complètement dans les vapes. J'ai dit, bon, ben, je vais la laisser redescendre. Et puis à la fin de la réunion, quand elle pourra articuler deux ou trois mots, ok, je parle. Puis après, il y avait là, et tout le monde, il parlait même pas français. Il parlait fort dans des langues bizarres. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ouais, c'est une sorte d'hébreu grec. Je dis, bon, ok, des étrangers qui parlent une langue étrangère, bon, ok. Et puis, il y a un jeune, alors il se met à parler, il avait joué de la guitare, c'était de la bonne musique, donc je me suis dit, j'ai du respect pour ce gars, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et puis, il a ouvert sa Bible, mais malheureusement, il parlait comme un curé. Il parlait des mots, je ne comprenais pas, des longs mots de plusieurs syllabes. Et rédemption, crucifixion, justification. Ben bon, quand j'ai vu ça, j'ai arrêté d'écouter. Puis je regardais les filles. Puis je disais toutes les deux minutes à mon copain, bon, alors maintenant, combien de temps il va parler? Quand c'est que c'est fini? Quand c'est qu'on part? Je regardais ma montre sans arrêt. Mais quand il parlait, j'entendais deux mots, en fait. J'entendais le mot Jésus et le mot croix. Ces deux mots, comme ça, revenaient sans arrêt. Ça faisait comme blablabla, Jésus, blablabla, la croix, blablabla. Puis ces deux mots m'énervaient, commençaient à m'énerver. C'est les deux seuls mots que j'entendais qui sortaient de sa conversation. Et je me disais, mais pourquoi il les dit si souvent?
c'est comme s'il était payé au mot. J'ai dit, mais ces deux mots m'énervent. Il doit faire exprès de les dire pour m'énerver, quoi. Pour que je parte encore plus vite. Hein. Et il y a un moment donné, je l'ai regardé, et puis j'ai vu son aura. Et puis, son aura était tellement blanche, elle était tellement puissante, elle était tellement énergétique, elle était à son paroxysme. C'est-à-dire, une aura ne peut pas être plus puissante et plus grande. Vous savez, c'est comme quand on souffle dans un ballon, on peut se dire, on sait qu'il y a encore de la place, il y a de l'air, mais là, elle ne pouvait pas. Donc je me suis dit, ce gars, il a la puissance spirituelle ultime. Je me suis dit, si j'arrive à choper cette puissance, je pourrais faire tout ce que je veux. Je me suis dit, c'est dommage qu'il est chrétien, mais ça doit être une couverture. Il doit dire qu'il est chrétien, mais derrière, il doit avoir une activité spirituelle. Parce que pour moi, les chrétiens, c'était des morts spirituels. Pour moi, c'était des religieux. Et je me suis dit, mais celui-là, il a quelque chose, je le veux, je ne vais pas le lâcher. Tant que je ne l'ai pas. Et alors, à la fin, au lieu de partir en courant, j'étais vers lui, j'étais tout doux, tout sympathique, pour essayer de lui tirer les vers du nez, mais il me parlait sans arrêt de Jésus. Je me suis dit, ça va être plus difficile que prévu, mais ce gars, je ne vais pas le lâcher. Donc, il ne va pas me transmettre sa puissance spirituelle. Alors, j'ai attendu toute la semaine, je pensais qu'à ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais remettre un peu à plus tard de mourir, parce que là, j'ai une chance absolument incroyable. Parce que si avant, je pouvais faire des choses comme ça, je ne sais pas ce que je pouvais faire avec cette chose, mais je savais que c'était beaucoup plus puissant. Et j'ai eu énormément d'attaques pour revenir la deuxième fois. J'ai eu des combats spirituels absolument incroyables. Je suis arrivé, je tremblais, je transpirais. J'avais des forces en moi qui ne voulaient pas que je mette les pieds là-dedans, qui ne voulaient pas que je revienne. Et je me suis dit, bon, bah, je vais devoir me taper de nouveau son sermon, tout ça, et attendre pour aller lui parler après, faire sympathique. J'avais pas envie d'être sympa avec lui. J'avais quand même envie qu'il me transmette sa puissance, et puis que je dégage de là, puis que voilà, je les laisse entre eux, les chrétiens. Et il y a un moment donné, dans sa prédication, il dit, si vous voulez la puissance de Dieu, avancez-vous. Alors, je dis, c'est ma chance. J'ai même pas besoin d'attendre la fin de la réunion. Il va me donner sa puissance et je vais partir. Donc là, j'ai couru. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de finir sa phrase. Il devrait être étonné. À mon avis, dans sa tête, il a dû se dire, celui-là, c'est le dernier qui allait venir. J'étais le seul, j'étais là. Il a dit, ferme les yeux. Je lui ai dit, ok, je ferme les yeux. Et il dit, voilà, je vais prier pour toi, tu recevras la puissance de Dieu. Je me dis, ah bah, c'est plus facile que prévu. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de passer par des étapes, par des choses. Alors il m'a dit, fermez les yeux, j'ai fermé les yeux. Mais alors le gros problème, je voyais comme l'image de nouveau de Jésus à la croix. Et je me dis, ah non, pas de nouveau Jésus, pas de nouveau la croix. Moi ça, j'en veux pas. Puis il y a un esprit, il m'a dit, il me montre, il me dit, il faut passer par Jésus, par la croix. Cet esprit, à l'époque, je ne savais pas qui c'était, mais c'était l'esprit de Dieu. Il m'a montré la vision que dans 6 mois, j'étais mort. D'overdose d'héroïne, il m'a montré où, au bord d'un chemin, je ne connais même pas, je ne sais même pas comment je suis arrivé là-bas. Il m'a montré quand, il m'a montré où, il m'a montré comment. Et comme j'ai dit au début, quand Dieu vous dit quelque chose, vous prenez au sérieux, ce n'est pas une chose à la légère, et je savais très bien, pertinemment bien, que je n'étais pas prêt à mourir. Et donc là, j'ai compris que je pouvais faire la paix avec Dieu, et que ce que Dieu voulait que je fasse, que je demande pardon, que je me détourne du mal que je faisais, et que j'accepte Jésus. J'avais encore rien compris ce que Jésus avait fait sur la croix. Mais l'Esprit de Dieu, c'était la décision qu'il me demandait. Il me montrait, c'était ça. Et là, malgré moi, c'est pour ça que souvent je dis j'étais sauvé malgré moi, j'ai accepté. Pas par compréhension ou par vraiment regret, mais c'était pour sauver ma peau. La plupart des témoignages que j'entends,
Les personnes qui disent « j'étais vraiment triste, à ce moment-là j'ai eu une profonde repentance émotionnelle, mais moi là j'étais là, je me suis dit « il est exclu que je passe une seconde dans ce lieu de tourment que j'ai vu, je veux aller au paradis ». Et sans avoir compris ce que Jésus à ce moment-là avait fait sur la croix, j'ai obéi à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que nous croyons à Jésus-Christ. Et il m'a montré ça. Donc, par la suite, j'ai eu un travail de repentance, où j'ai compris, où j'ai regretté, j'ai demandé pardon, je me suis détourné du mal, ça s'appelle la repentance. Et quand j'ai pris cette décision, parce que, oui, je vais juste vous lire quelque chose. Dans le psaume 103:10, il ne m'a pas traité selon mes péchés. Et il ne m'a pas puni selon le mal que j'ai fait. Et puis dans Ézéchiel 18:31-32, aussi 33:11, pourquoi mourriez-vous ? Dieu parle. Et il dit, moi ce que je veux, c'est pas que le méchant meure. C'est pas ça. C'est dire la Bible. Il ne prend aucun plaisir dans la mort d'un mort. Nous, on peut se dire, on voit de la racaille dans la rue, on se dit, tant mieux s'il meurt, c'est un de moins sur la rue, bon débarras. Eh bien, Dieu, il ne veut pas qu'il meure. Il ne veut pas que le méchant meure. Mais il veut que le méchant se détourne du mal et qu'il vive. Vous voyez ? Dans 2 Samuel 14:14, il dit « Nous devons tous mourir. » Et ce n'est pas Dieu qui prend la vie, voyez, mais il recherche des moyens pour que celui qui est loin de Dieu puisse se rapprocher de lui. Vous comprenez ? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que quand au début j'ai dit non, il aurait pu dire « Bon, je te donne ta chance, vas-y. » Mais il m'a donné une seconde chance. Il a su me racheter, comme on dit, il nous appelle avec des cordages d'amour, et il trouve le moyen de nous amener, voire de nous ramener à lui. Et donc, après ça, à la fin de la réunion, le gars qui parlait, on a plutôt fini, ne vous inquiétez pas. Le gars qui avait parlé, il dit, viens voir. Donc il m'a amené dans un coin. Et puis il dit, assieds-toi voir. Puis il était là, il a dit comme ça, au nom de Jésus, sors ! Alors je me suis dit, bon ben il veut déjà se débarrasser de moi. Je dis, ah, c'est beau les chrétiens. Ah, ils sont là, ils sont souriants, tiens, tu veux du gâteau. Puis tu viens deux fois, puis au bout de deux fois, bon maintenant ça suffit, on va s'occuper de quelqu'un d'autre. Ah, je dis, c'est beau ça. Puis il était là, il est énervé, il dit, sors, au nom de Jésus, tout ça. Je me dis, bon ben il fait une crise. Je vais le laisser faire sa crise. Je me suis dit, il va bien finir par se calmer. Hein. Mais au bout d'un moment, tous les démons que j'avais en moi ont commencé à sortir les uns après les autres. Je dis tous les démons, parce que j'en avais plusieurs et je ne savais même pas. Parce que vous savez, on peut être tourmenté, on peut céder par des démons sans savoir. Parce que tant qu'ils vous ont, ils ne vont pas forcément vous serrez au bout. Vous savez ce que je veux dire ? Au contraire, ils vont vous laisser la liberté, vous pensez que vous êtes libre, essayez de sortir. Si vous pensez être libre, allez à la porte, puis voyez s'il n'y a pas de résistance et vous êtes vraiment libre. Et si vous n'êtes pas libre, c'est là où vous verrez le combat que vous aurez à sortir. Jésus a dit, je suis la porte. Amen. Et donc, il y en a, je ne sais pas, 6, 7 qui sont sortis, je ne vais pas compter. Je me suis senti tout vide. J'étais fâché parce qu'il y avait plein de croyances que j'avais, la réincarnation, tout ça, mes pouvoirs qui sont partis. J'étais fâché avec ce chrétien. Je me suis dit, pourquoi ? De quelle autorité est-ce qu'il a fait ça sans me demander mon avis ? Moi, s'il m'aurait dit ça, j'aurais sûrement dit non. Est-ce que tu veux que je te dépersonnalise ? Moi, j'aurais dit ça comme ça. J'aurais dit non, heureusement qu'il ne m'a pas posé la question. Puis ensuite, il me dit, bon, maintenant, viens, tu vas recevoir un nouvel esprit. Alors, je dis, ouais, un esprit ou un autre, un de plus ou moins. Vas-y, on voit. Et ils ont prié pour moi. Et en fait, ils ont prié pour que je reçoive l'Esprit de Dieu.
Parce que quand on appelle les esprits les anges du diable, il y en a plusieurs, mais il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. Et j'ai reçu cet esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu a fait un travail pour moi-même, un long travail de restauration physique, psychique, spirituelle, qu'il me faudrait une autre conférence pour expliquer, de 32 ans de marche. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai fait aussi des bons choix, j'ai fait des mauvais, mais Dieu ne m'a jamais déçu. Je ne sais pas si je l'ai déçu parce qu'il sait tout, mais moi je me suis déçu. Hein? Mais je n'ai jamais été déçu. Hein? Et il ne nous abandonne jamais. La Bible dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et là, après, il voulait me donner un évangile de Jean. Et ils n'avaient plus d'évangile de Jean. Et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, non, on n'a qu'une Bible. Il dit, non, on ne va pas lui donner une Bible, je lui donner un évangile de Jean, il ne va pas savoir par quoi commencer. C'est simple, un petit évangile de Jean. Et ils ont cherché partout, il n'y avait pas d'évangile. Le gars était vraiment, vraiment énervé, mais il ne voulait pas que je parte sans la Bible. Alors il me dit, bon, écoute, je te donne ça, mais s'il te plaît, ne lis que le livre de Jean. Il me dit, lis pas l'Apocalypse, parce que c'est plein de symboles, et puis tu vas rien comprendre. Lis pas l'Ecclésiaste, parce que si t'es un dépressif, t'es assez dépressif comme toi, comme ça. Il me dit, lis pas ci, lis pas ça. Après, il dit, bon, écoute, lis l'Évangile de Jean, mais quoi que tu fasses, lis pas l'Apocalypse, ouvre pas le livre d'Apocalypse. Alors je lui dis, merci, j'étais vraiment content, parce que déjà, il me donne une Bible, puis il me donne un bon conseil. Donc j'arrive chez moi, j'ouvre le livre de l'Apocalypse, parce que moi je me suis dit, est-ce qu'il me prend pour un imbécile? Il me dit, tu vas lire des choses, tu ne vas pas comprendre. Tu vas lire des symboles, tu ne vas pas comprendre. Est-ce que je ne suis pas capable de comprendre des symboles? Donc j'ouvre, puis je lis dans le premier chapitre. Puis il est dit qu'il y avait un gars qui s'appelait d'ailleurs Jean, c'est le même. Bon, c'est le même. Hein. Mais lui, il a entendu une voix derrière. Puis il s'est retourné, puis tout d'un coup, il a vu un être blanc dans des nuages qui lui a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Wow. Je sais que maintenant les seconds, ils ont enlevé le mot alpha et l'oméga, puis ils utilisent je suis le premier et le dernier. Mais à cette époque antique dont ça se passait, c'est de 77, donc ça devait être la seconde 1919, je pense, j'imagine. Il y avait je suis l'alpha et l'oméga. Alors là, j'ai dit, ah, mais est-ce que c'était pas Jésus? Par contre, j'avais toujours pas compris ce que ça voulait dire, hein, alpha et oméga, mais je me suis dit, c'est pas possible. Et après j'ai lu dans un autre gars, il est arrivé la même chose, il y a une lumière qui est apparue, mais en plein jour. Vous imaginez le type de lumière à Jérusalem, en plein jour, le soleil, je ne sais pas si vous y avez été, et puis qu'il y a une lumière qui est plus forte que la lumière du soleil, vous imaginez le type de lumière que c'est? D'ailleurs, les autres qui étaient avec lui l'ont vu, mais eux, dans leur cas, il n'y a que Paul qui a entendu une voix, et pas les autres. Bon, je vais couper court, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais je ne veux quand même pas vous faire traîner trop longtemps. Pardon ? Ah ouais ? L'attention est... Est-ce que vous voulez une anecdote de 5 minutes ou pas ? Oui ! Okay. Donc j'étais chez moi en train de lire le premier chapitre d'Apocalypse et de manger ma soupe avec ma fourchette. Donc j'avais du temps, j'avais de la marge. Hein. Puis je me dis, c'est super la Bible, il y a aussi, je sais pas, comme je savais que les autres livres, il y avait des esprits derrière, il y a une manifestation spirituelle aussi. C'est comme un livre des paroles vivantes. Je me dis, je vais continuer. Et puis je vois plus loin, Jésus il dit, je suis à la porte, et je frappe. Et celui qui ouvre,
Je rentrerai et je souperai avec lui. Alors je me suis dit, juste, il y a Jésus, il va venir manger ma soupe. Je ne sais pas si c'est écrit souper, maintenant dans les secondes. Alors je me dis, donc, déjà, je n'ai pas beaucoup à manger. Bon, déjà, elle est à moitié froide. Et puis, je me dis, il va venir manger la moitié de ma soupe. Puis je me dis, quand même, Jésus, c'est quelqu'un d'important. Je peux quand même pas le recevoir comme ça, j'ai qu'une seule assiette, je vais pas le faire manger dans mon assiette. Puis vous pensez ce qu'il va me dire si je lui donne une fourchette pour prendre la soupe? J'avais tellement peur qu'il vienne. Mais heureusement, il n'est pas venu. Heureusement, je ne sais pas, heureusement pas. Et petit à petit, en lisant la Bible, petit à petit, en priant, petit à petit que des gens m'ont parlé, m'ont enseigné, j'ai compris l'étendue de l'amour de Dieu. Et que, en fait, tout ce qui s'était passé dans ma vie auparavant, c'était le diable, c'était des mauvaises puissances qui voulaient me détruire. Ils voulaient me voler, ils voulaient me tuer, ils voulaient m'empêcher de venir à la vie. Et la vie, c'est quoi? On ne pourrait pas dire c'est quoi, c'est qui? C'est Jésus. Il est dit, et d'ailleurs, il est dit, celui qui a Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Alors, moi, je pourrais te poser cette question. As-tu la vie? Oui. Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Le moyen de parvenir à Dieu, c'est de demander pardon pour le mal qu'on a pu faire et se détourner. Ça s'appelle la repentance. C'est différent du regret. Le regret, c'est je regrette d'avoir fait du mal. Par exemple, si je tape ma femme tous les jours, bah, peut-être que tous les lendemains, je peux regretter. Me dire, c'est quand même pas bien de la frapper. Et puis je recommence. Ça, c'est pas de la repentance. Hein? Le regret fait partie de la repentance. La vraie repentance, c'est regretter, prendre conscience du mal qu'on a fait, mais se détourner. Vouloir arrêter de faire du mal. Et demander de l'aide à Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Et qu'il est le seul chemin vers le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi que par nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne d'autre qui a dit ça. Vous pouvez regarder dans tous les écrits de la terre entière, de toutes les personnes, les avatars, de tous les prophètes, hommes de Dieu qui sont venus. Tous ceux qui sont proclamés des dieux, personne n'a dit ça. Il n'y a que lui qui a dit « Je suis le chemin » et il n'y en a pas d'autre. Et moi, je crois, j'y crois. Et le fait qu'on y croit, ce n'est pas parce qu'on a une compréhension intellectuelle, c'est que nous avons été convaincus. Parce qu'il est dit que nul ne peut venir au Père, à Jésus s'il n'a été attiré par le Père. Et il est dit c'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pas un homme, c'est pas par les discours de la sagesse humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous convainc de ce que nous avons besoin d'être convaincus. Alors, Jésus est venu pour sauver, pour guérir, et pour délivrer, et pour détruire les œuvres du diable. Le diable, il vous a volé. Le diable, il vous a rendu malade. Le diable, il vous a fait perdre des choses, que c'est matériel, que c'est ça. Spirituel. Mais Jésus, il est venu pour rétablir tout ça. Et il est le seul qui peut le faire. Et il vous voit loin, en train de chercher dans le mauvais endroit la solution. Mais il est la solution, Jésus est la solution. Il n'y en a pas d'autre que lui. Essayez ailleurs, vous verrez qu'il n'y en a pas d'autre. Et j'espère que Dieu convainc. Et une dernière chose, s'il y a des personnes qui sont chrétiens, qui veulent faire un pas, demander pardon à Dieu, ou se reconsacrer, qui lèvent la main, je vais faire une prière aussi courte, s'ils veulent remettre leur vie, oui, entre les mains de Dieu, la parole de Dieu dans l'Apocalypse, oui, je veux dire, la révélation de Jésus-Christ, oui, madame, vous pouvez descendre la main, dit, tu te crois riche,
mais en fait tu es pauvre et tu es nu. Et dis à d'autres types de chrétiens, il dit à d'autres types de chrétiens que tu as abandonné ton premier amour. Alors, rappelle-toi quand tu es venu à Dieu. Rappelle-toi comme tu étais heureux. Rappelle-toi comme tu as donné ta vie. Rappelle-toi comme tu étais en communion avec lui. Rappelle-toi comme vous étiez vraiment en communion. Et puis, il s'est passé quelque chose. Et puis, vous vous retrouvez plusieurs mois, plusieurs années plus loin. Éloigné, vous dites, Dieu m'a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Quelque part, vous avez fait une erreur. Et vous n'avez pas su faire quoi pour rester dans la présence de Dieu. Et on est tous humains, on a tous fait les mêmes erreurs. Je suis sûr que j'ai fait plus d'erreurs que vous dans ma vie chrétienne. Donc si quelqu'un, il veut prendre une décision, même dans les choses que je n'ai pas dit, qu'il lève sa main, devant Dieu, pas devant moi. Moi, je ne vous connais pas, je ne vous m'aime pas, il fait sombre. Je ne me rappellerai même pas de vous. Mais Dieu sait la décision que vous prenez dans votre cœur. Si vous levez la main, et votre décision est superficielle, elle ne vaut rien du tout, Dieu regarde votre cœur. Même la prière, si vous la priez mais vous ne la pensez pas, elle ne vaut rien du tout. Oui. Alors, je vais vous demander, je vais vous laisser juste 2 minutes. Pour pouvoir vous exprimer devant Dieu. Juste 2 minutes, pour ne pas faire trop long, mais si vous voulez exprimer, entre vous et Dieu, ne parlez pas aux voix pour les autres, s'il vous plaît. Chuchotez, parlez à Dieu, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Dieu est là. Dieu est là, il t'attend. Il ne veut pas que tu souffres. Il veut te donner tellement de bénédictions. La Bible dit, si tu étais resté avec moi, tu aurais des torrents de joie. Fais la prière que tu vas faire devant Dieu. C'est un secret entre toi et Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus-Christ. Puis le jour vient où tous les hommes reviendront à la résurrection. Les bons pour la résurrection et les mauvais seront éloignés de lui. Il y a le jour du jugement, il y aura un livre ouvert avec des noms. Il y aura aussi des autres livres avec les œuvres. Mais personne ne sera sauvé par les œuvres. Si vous avez plus d'œuvres bonnes que mauvaises, vous n'entrerez pas au paradis. Vous n'entrerez au paradis que si votre nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Pour avoir ton nom inscrit dans le livre de vie, il faut que tu confesses à haute voix Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Que tu te repentes, que tu te détournes du mal et que tu lui obéisses. Et tu es sauvé. Et une autre nouvelle commence dans ta vie. Il y a plusieurs personnes ici qui ont des petits badges. Ce sont des conseillers. Si vous voulez parler avec, si vous voulez que quelqu'un ait prié pour vous, n'hésitez pas, demandez, prenez rendez-vous avec quelqu'un plus tard pour qu'on puisse prier pour vous. Si vous avez besoin d'être écouté, vous pourrez l'être aussi.